seulement il ne faut pas perdre son sac pendant qu'on filme, mais il faut éviter les dangers. Je suis devant les Halles. Je suis posée du Saint-Guilhem, donc hein, voilà. Et je me demande si je ne vais pas aller tester le rebuffy. Ça fait des années que je ne suis pas allée, ou atterrir sur Candol. Ne sais, verrai. L'énergie est en train de décliner comme une batterie qui fait bip bip bip. Je vais quand même tester le rebuffy, c'est un bon spot. En été, il est ombragé. Petite chicane, petite ruelle. Rebuffy, et par là-bas il y a un bistrot qui à certaines époques est sympathique. En route, on ne s'arrête jamais dans ces endroits-là. Petit écartement, pont du chat. Venez de là, j'ai fait un détour par là et je vais juste après ça. Ça c'est moi et mes particularités, c'est parce qu'en passant sans vouloir écouter, j'ai entendu un gentil tout doux bisou maman que moi j'entends jamais par contre. Je veux que ce soit plus ado en espérant que ça s'améliore. Sniff, petit chagrin. Les distances, là vous allez les avoir. Là-bas, la boutique de fleurs Joséphine, je quittais la place qui se trouve en haut de la rue Saint-Guilhem. Hein, vous avez la distance, là je pense. Hein. J'aimerais bien arriver à attraper. Là, un beau jardin qui déborde, bien sûr, ça n'est plus des plantes des rues, mais c'est pas mal quand même. Et le rebuffy se trouve là, juste après... entre les deux groupes de personnes assis au sol. Et après, on arrive déjà sur... On est à deux pas de l'Arc de Triomphe. C'est beau, hein, le centre-ville, mais voilà. C'est... Vous le faites en une journée. Après, quel est l'intérêt de le faire en entier en une journée? Moi, en général, je fais des boucles, en fait. Hein. Et vous repassez souvent par les mêmes itinéraires, si possible le plus beau. Hein. J'ai mes habitudes de marcheuse. On y va. Il est là. Il est à l'ombre. Hein. Ce sont des années qui se sont écoulées depuis que je n'y suis pas retournée. Tattoo shop. Allez. L'endroit est agréable, on est... Je me suis posée à... Bientôt... That would be fun.